Nous avons en fait décidé de réaliser un projet concernant l'information en IRM. Car en effet, nous nous sommes aperçus que c'est souvent par manque d'informations ou en raison d'informations erronées que l'anxiété est accrue en IRM. Le premier projet a été fait par nos collègues, donc une manip qui fait pédiatrie et IRM et une autre manipulatrice qui fait 100% IRM. Donc c'est une plaquette d'information pour les enfants pédiatrie sous forme de BD pour que les parents puissent prendre connaissance de comment va se dérouler l'IRM et un outil informatique pour préparer les enfants à leur IRM. Ensuite, nous avons réalisé un film, donc là destiné à la formation des adultes, surtout pour les hospitalisés. Ça va paraître en fait sur la télé du CHU. Ça montre également les contre-indications à l'IRM sous forme ludique par l'intermédiaire de ce petit film. Et le dernier projet, l'IRM miniature, donc nous avions décidé de faire une IRM miniature, un objet ludique pour préparer l'enfant à faire son IRM sous forme de jeu. Donc c'est des petits Lego, donc tous les enfants connaissent les Lego, donc il peut se mettre lui-même le petit enfant dans l'IRM, faire avancer l'IRM. Donc c'est vraiment, vu qu'on veut limiter les sédations pour les enfants, c'est vraiment les préparer sous la forme du jeu à pouvoir réaliser l'examen dans les meilleures conditions.